Yo tout le monde, c'est Kyrios. Alors on est reparti pour notre suite d'aventure sur Yes, Your Grace. Alors, continuez. Alors, petit résumé. Ouais. Donc on est là, enregistré et continué. Alors. Donc là, il faut qu'on continue toujours à investiguer au niveau de notre soldat, là, notre brigand. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? L'histoire entre la guéguerre entre nos deux filles, là aussi, il faudra qu'on gère. Oh, on a pas un, deux trucs. On a un pigeon, paysan, marchand. Attends, le premier, c'est le pigeon voyageur. Ah, bon bah voilà, ça c'est fait. Alors, soit je dis que je ne sais pas, soit j'avoue que c'est pour prendre la main de ma fille. Je ne réponds pas ou je lui dis la promesse. Ah mais du coup je sais pas ce qu'il va avoir comme action plus tard, comme conséquence plutôt. Parce que si je lui dis à lui, est-ce que la rumeur ou comme quoi il y avait un pacte secret entre moi et lui sera intensifié, se propagera et du coup tout le monde sera au courant, ou alors je dis rien pour le moment et j'essaye d'arranger ça et au pire des cas je tue tout le monde, je sais pas. Je prends un gros risque, mais vaut mieux rien dire. Il y a certains trucs qui vaut mieux rien dire, comme ça on est tranquille. Ok. Ok. On a un paysan, un marchand, un paysan. Le marchand. Douze PO. Allez, soyons fous, on va lui donner. Quand même, ça sera peut-être pas tout de suite, mais on risque d'avoir des bénéfices plus tard, et ça peut être intéressant. C'est un gros risque au début, mais on risque d'avoir des bénéfices, donc je vais peut-être lui donner. Ça nous fera un peu de commerce. Aussi, c'est un investissement sur long terme. Archive. La taverne. Oui, on a besoin d'or de toute façon, donc même si on dépense de l'or mais qu'au final on gagne beaucoup, ça serait pas mal. Ok, bon après on a un paysan et un paysan. Ouais bon, peu importe, on va prendre celui-là. Oui,
Friday. Soit de l'or ou des grains. De l'or, non, ça a rien. De l'or, ça sert à rien que je leur file de l'or, parce que s'ils achètent de l'or pour, si j'en leur donne de l'or pour qu'ils achètent de la nourriture, ou si je leur donne des provisions, ah, il vaut mieux que je leur donne des provisions. L'or, je préfère mieux le garder. Provisions, j'en aurai encore assez. C'est les enfants en priorité. Et en plus, ça m'a fait gagner plus un. Allez, hop. Et en plus, gagner un petit peu de bonheur. Donc ça, c'est bien. Hop. Ouais, sachant que j'ai pas mon général, sinon j'aurais pu envoyer. Et l'autre paysan, qu'est-ce qu'il veut? Ah. Allez, encore un peu de grain. Ah, je sais. Je prends des gros risques, mais... j'ai fait pas mal de dépenses. J'espère que je vais pas... mince, comment ça s'appelle? Je cherche le mot. Pas de conséquences graves plus tard, j'espère. Ok, donc on va descendre. Et on va aller... on va aller là, à la salle du conseil. De toute façon, il y a que là que je peux être. Audrey et Célanie. Moi, j'ai parlé à ma fille en premier. Oui. Oui. Il attend. Oui. Bon, soit j'accepte, soit je lui dis de jouer dans les jardins. Non, je veux dire, va jouer dans un jardin parce qu'il faut que je discute avec lui. Le truc privé. Ah, je sais, mais... On va parler avec Audrey. Ah ah. Le roi Talis. Rien ici, non, rien ici. Bibliothèque. Ok. Tapisserie. Ok, bibliothèque. Ok, j'ai rien d'autre. Nope. Ok. du coup, on va aller voir dans les jardins. Ah, voilà. D'abord.
Bon, rien d'autre. Y'a rien d'autre. Ok. Bon, bah, allez hop, c'est parti. Remboursement de la banque, 10 nouveaux étaux, plus 2, général moins 9, impôt 9, tac tac, donc ça a augmenté un petit peu. Bon, on continue. Alors, on a quoi? On a le général qui est là, on a le roi Thalys et on a le seigneur Edton. Je vais parler qui, le général en premier, et après je fais le roi, puis après le seigneur, ou alors je fais le roi, le général et le seigneur. Je vais faire le roi avant. Ah, j'ai mon pigeon qui est revenu. Pas maintenant l'Ursulia, général Diazalia, tu n'as pas que nous avons en invité. On va dire ça quand même. Ah, d'accord. Soit j'accepte comme ça, soit je mets des conditions. Bien sûr, mais avec certaines conditions. Donc je pense que c'est une condition pour le mariage. Les livres, il peut y aller, mais le mariage, peut-être pas tout de suite, quand ils sont peut-être en âge, je sais pas. C'est très délicat, très délicat, très délicat. Je vais tester. D'or, mon 3000 hommes de plus vous fournirait un général, parce que moi j'ai un général, j'ai quelques soldats, et s'il y aura peut-être pas assez d'un général après avoir plein d'hommes c'est bien, mais si t'as pas beaucoup de personnes pour les commander, là tu m'envoies 3000 hommes. Et moi j'ai qu'un général. Et je dois avoir juste une centaine d'hommes. Donc ça sert à rien.
Un général en plus. D'accord, 3000. Bon, bah c'est déjà pas mal. De 100 soldats, je suis passé à 3000. C'est bien. Allié, qu'est-ce que j'ai moi? J'ai encore Damada. Damada qui m'a quand même filé 3000 soldats. Le roi Thalys qui m'a filé 3000 soldats. Damada, apparemment, elle peut me filer 60 bonhommes de plus. Du coup, est-ce que j'aurai un général en plus ou pas? Eh, c'est ça que je sais pas. Je pourrais payer l'un de vos hommes, l'un des vôtres. Là, j'ai pas trop compris ce qu'il voulait me dire. Est-ce qu'il me file un général en plus ou en plus des 3000? Bon, on va inviter l'autre. De toute façon, l'invitation était envoyée. Ouais, du coup, il faudrait que je parle à l'Orsulia. On va retourner à la salle du trône. Parce que j'ai encore les deux autres. Ah, je me mets assis. Mon général. Ah bah c'est bien. Du coup ça me fait quoi? L'Orsulia. Ok, Seigneur Eton. Ah oui, on avait payé la rançon. Ah bah c'est bien. Hey, plus 14 or, plus 2. Oula, oula, oula. Mais c'est bien ça, c'est bien, c'est bien. On gagne un peu. Rançon. Ok. Audrey. Oh, rien pour le moment. Hop. Maintenant, on va aller là. Tu sors. Alors, chambre à coucher, le rempart. On va parler à ma femme. On va parler à ma femme de l'armée du roi contre la main. Okato.
Ok, bon bah c'est ça arrangé on va dire. Bon, bon, on a quand même réussi à s'arranger un peu. C'est sûr que si l'autre, la fille, elle épouse le prince, ça sera déjà mieux. Du coup, on va voir au rempart, lui dire. Ah, le général qui est là. Il a un truc. Non. Oula, bon, je lui mettrai une ou deux claques, moi, celle-là. Archive. Pas. Je suis là, j'ai plus rien. Bon bah allez hop, on finit là. Nouvelle semaine, plus tard dans la nuit. Ah. Soit j'en envoie un général, je suppose que c'est pour voir ce qui va se passer, le nombre d'ennemis, ce qu'ils font, ouais c'est ça, c'est un espion on va dire, pas vraiment, mais plutôt un éclaireur, du calme, ouais, on va quand même envoyer mon général, pour voir ce qui se passe, j'ai envie de savoir exactement comment me préparer, donc envoyer Stan. Ah c'est pendant une semaine, donc ça va, pas encore. Donc, remboursant la banque G10, nouveau taux, impôt 12, 37 plus 9 de machin. Ok. Ah oui, et puis j'ai tout ça à faire. Ça fait 25. 25, 25. Temps restant avant le mariage, 4 semaines. Donc, j'ai encore le temps. J'ai encore le temps. Est-ce que je peux acheter tout maintenant ou j'achète petit à petit acheter du tissu? Ça me ferait encore 27, donc c'est déjà bien. On va acheter du tissu quand même. Hop, là on est sûr. Et on va le faire petit à petit. Il me reste 4 semaines, donc j'ai encore 4 semaines pour acheter ça et ça. Donc on va faire enregistrer et continuer. Semaine 5. Alors, on a le... Oula, il y a du monde. On a un général. Ah, on a Damada qui est arrivé. On a un paysan. On a un marchand. On a Sedani. Et on a un paysan. Alors, on va voir quand même mon général. J'ai envie de savoir tout de suite. Battle.
la rue. Bah, dis bon. Où va-t-il? Où va-t-il? Ta. Quoi? Moi. Bien. Ouais, déjà c'est déjà pas mal. L'autre, il y a un point d'interrogation là. Est-ce que c'est suite à ça ou alors est-ce que je parle déjà à Damada. Parce que Damada c'est une alliée. Je vais voir ce qu'il va me dire. D'accord. Donc 4 semaines, c'est le machin, c'est le mariage, et j'ai les avant-postes à détruire. Donc je pense que je vais peut-être détruire tout de suite les avant-postes, et après faire le mariage, voilà. On va faire directement Damada, parce que c'est un allié. Ah ah, ça c'est intéressant. Ok, mais j'en ai pas vu un déjà comme ça, un marchand. Ah mais c'était pas la même chose. Une chemise verte et un chapeau. Ok. Paysan, un marchand, Sedani et un paysan. Ma fille. Oui, bye. Et à propos de Puma. D'accord. Donc, on va parler à l'Orsulia. Ok, un marchand, un paysan, ou après, tiens, le marchand. Oh. Une pièce d'or chaque semaine. Ouais, bah c'est déjà pas mal, hein, une pièce d'or. Ça augmentera un petit peu mes bénéfices. Après, on va voir si est-ce qu'on pourra faire modifier un peu l'accord. Mais bon, pour le moment, moi, je vais pas cracher dessus. Hein. C'est une pièce d'or, c'est une pièce d'or. Hein. C'est déjà pas mal. Ok.
J'aurais pu taper plus, mais ça a rien pour le moment. Il y a pas. Non, il y a pas. Et puis après, bah, j'ai mis deux paysans. Bah, allez hop, parti. Bon bah voilà. Archive. Il est pas marqué? Non. Bon. Et un autre paysan. L'or, ça sert à rien que je l'enfile de l'or. Les provisions. Bon ben voilà. Entrée archive. Ok. Tarte aux fraises. On quitte le truc et hop, on est parti. Les remparts, la chambre à coucher. Alors on va aller voir les remparts tout de suite. Ou alors on va aller à la chambre à coucher pour parler à ma femme. On va parler à ma femme tout de suite. Il me reste 4 semaines, donc j'ai le temps d'acheter d'autres trucs. Ok, rempart. En général, qu'est-ce qu'il y a là? Non, c'est rien. Rien au niveau des remparts. On va juste regarder si on voit un truc. Nope. On voit que chic. Donc on va aller par là. On va aller là. On va aller au jardin. Faut juste donner les coups d'épée. Donner un coup d'épée. On va lui apprendre une leçon. Ah oui, c'est vrai que c'est l'autre qui se marie. Non, ou c'est elle. Oh, je sais plus. J'aimerais dire non, tu vas trouver dans les prochaines, tu es plus effrontée.
Wada bayo. Dabo wada. Ib. Ila kano. Tara ekana. Ah, on a réussi à arranger un peu les choses. Dire que j'ai réussi. Azalia. Bon, apparemment, ça a l'air d'aller dans la bonne voie. Qu'est-ce que j'ai là dans la chambre à coucher? Donjon, salle du trône, rempart, salle du conseil. Il y a un truc que je peux faire ou pas? Le roi Thaïs. Il y a un truc à me dire. Là, on va essayer de parler un peu. Comment va votre femme? D'accord. Ok, c'était carte. Alors, c'est ça que les avant-postes qui sont là. Grevno, avant-poste. Donc c'est ça la carte. Ok. Allié, j'ai rien d'autre. Hein. Non. Voilà. Donc j'ai un avant-poste à l'ouest et un avant-poste au nord. Moi je pense qu'on va plutôt attaquer l'avant-poste à l'est. Parce qu'il y a des champs. Ça c'est ça va encore. Mais c'est là c'est que j'ai les champs. Bah d'après ce que je vois, j'ai des champs ici, donc ce serait pas mal d'attaquer l'avant-poste là pour que mes paysans soient tranquilles. Après je pourrais faire le nord et l'ouest plus tard tranquillement, voilà. On va faire directement à l'est. Et puis là, l'avant-poste de l'ouest, j'ai comment dire, une rivière. Donc ça me protège un peu. Là, ils sont juste à côté. Et le nord aussi, en fait, ils sont juste à côté. Donc l'est et le nord, ce serait le plus important. L'ouest, là, la rivière. Donc ça me protège encore. Mais on va directement faire l'est. Le général. On a rien d'autre, c'était bon. Ah ok. Là-bas c'est bon.
Perception, non, c'est pas ça que je voulais. Bon bah voilà, hop. Ça le trône. Bah du coup, on va faire passer la semaine suivante. Hein. Alors la taverne, plus 1, la banque, moins 10, nouveau étau, les impôts, c'est bien, ça nous a fait gagner 3 semaines avant le mariage. Et ben, je pense qu'on peut faire les deux directs, des fleurs, et engager un groupe, ce sera bon. Hop là, et voilà, normalement ça devrait être bon. Donc, bah moi je vais sauvegarder et quitter. On finit cet épisode par ça en fait. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao à tous.